Rebonjour au Hall Concorde, bonjour à tous, bonjour à toutes, dans cette journée extrêmement chaude, vous faites bien d'être ici, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui, mais aussi tous les jours de la semaine, ici, sur cette estrade, on va avoir des confs un peu spéciales. Alors pour commencer celle d'aujourd'hui, j'ai un petit quiz pour vous, mes amis, je vais poser des questions. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui fait des fusées réutilisables? Qui sait qui fait des fusées réutilisables? Une start-up qui relance les supersoniques. Boum, j'ai entendu boum. Encore une start-up qui promet d'aller sur Mars dans 2 ans. Une start-up qui prépare le premier avion hybride. Encore des start-up. La liste est longue, hein. On pourrait aussi parler du tourisme spatial, des micro-satellites, des voitures volantes. À chaque fois, ce sont des start-up qui sont en première ligne et on se demande, mais elles sont où les entreprises traditionnelles? Où est-ce qu'elles sont? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les start-up seraient-elles devenues l'alpha et l'oméga de l'innovation en matière aéronautique et en matière de spatial? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette première battle conf. Vous faites bien d'être ici parce que ça va être formidable. Alors, on a voulu que ce soit le plus interactif possible. D'accord, on va avoir des experts qui vont venir me rejoindre, mais vous pouvez également poser des questions. Ça se passe sur Twitter. Le hashtag, c'est Paris Air Lab. Paris Air Lab. Moi, je reçois des questions directement sur ma tablette. N'hésitez pas à intervenir. On aura une séquence formelle de questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas à intervenir au courant du débat. Je poserai les questions à mes deux experts invités. Les deux experts invités, et pas des moindres, sont Grégoire Aladjidi, venez me rejoindre, et François Chopard. Installez-vous. Bonjour, messieurs. Alors, je vais vous présenter mes camarades. À votre droite, donc, non, à votre droite, donc à la mienne aussi, c'est bizarre, non? Oui, c'est ça. À votre droite et à la mienne, nous avons François Chopard. Bonjour, François Chopard. Bonjour. C'est monsieur start-up, hein, vous le voyez, hein, casaque bleu, petit polo, pas de cravate, pas de chemise. Alors, lui, il veut secouer le secteur de l'aéronautique en accompagnant les start-up, hein, quelle que soit leur origine, il veut secouer le secteur. Vous êtes à la tête de Starbust Accelerator. C'est le premier accélérateur de start-up spécialisé dans l'aéronautique et le spatial. Et votre mission, ben, c'est vraiment de doper l'innovation dans le secteur avec l'agilité des start-up. Vous allez nous expliquer tout ça. Et à votre droite, donc à votre gauche, vous qui êtes dans la salle, nous avons monsieur l'industriel, hein, costard, belles chaussures italiennes, rasé de près. Et lui, il suit de très très près également les start-up. Il essaie de s'en inspirer. Grégoire Aladjidi, bonjour. Bonjour Anissé. Vous êtes le patron de Safran Corporate Venture. C'est une filiale de Safran qui a pour mission d'identifier toutes les start-up innovantes dans l'ensemble des métiers de Safran. Et vous êtes un peu le symbole de cette nouvelle façon de travailler en co-construction. C'est ce qu'on appelle l'open innovation. Vous allez nous expliquer, hein. Je vous caricature un peu, mais c'est peut-être plus subtil. Alors, que ça. Je suis présenté pour la réunion, monsieur industriel. Mais oui, on a fait une battle, donc on a l'industriel contre la start-up. Mais vous allez voir, les choses sont peut-être plus subtiles qu'on l'imagine. On va commencer avec vous sur une première question. On le voit ici, hein, sur le Paris Air Lab, on a énormément de startups. Il y a eu un pitch, une session de pitch qui a eu lieu tout à l'heure. On parle beaucoup des startups, on parle beaucoup moins des acteurs traditionnels. Je veux savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un secteur aujourd'hui, l'aéronautique et spatiale, qui était complètement interdit, hein, impossible d'entrer pour une startup. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? François ou Gaga? Alors... Déjà, merci à Nice et merci au GIFAS de nous donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Je crois qu'on est tous ici interloqués par le fait qu'on puisse avoir un Paris Air Lab à l'occasion du Paris Air Show, à l'occasion du Bourget. Je ne sais pas, les gens qui sont là, c'est leur combientième Bourget. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, tenir dans le Hall Concorde une réunion comme celle-là avec des turbotech, des chronosef, ouais, des aéromobiles, donc des start-up. Des start-up, oui. Donc déjà, cet événement est bien le reflet qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On constate, hein, il se passe des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais l'impression que une fusée, c'était complètement inaccessible pour une start-up, encore moins une voiture volante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que nous, on a démarré il y a à peu près 5 ans. Et il y a 5 ans, on ne parlait pas de start-up. Même SpaceX était à peine connu, n'avait pas encore le succès actuel.
Et donc, quand on a démarré, on passait un peu pour des fous. Ceci dit, depuis, on a vu SpaceX émerger, être valorisé à 12 milliards de dollars. On a vu Planet Lab être valorisé à 1,2 milliard. OneWeb aussi émerger. Et quelques autres startups, pas énormément, mais arriver quelques startups qu'on appelle des licornes, arriver dans un secteur qui était censé être complètement fermé. À côté de ça, on a vu aussi les gros industriels, depuis à peu près 15 ans, abandonner le Concorde, abandonner la Space Shuttle, et puis se concentrer sur la montée en gamme de leurs appareils, sur les livraisons. On voit que Airbus et Boeing ont des carnets de commandes à n'en plus finir. Oui, et la bagarre qu'on a entendue hier, hein, avec j'annonce, j'ai tant de commandes, tu as tant de commandes, la bagarre, je me tiens. Et donc pendant qu'ils font ça, eh ben, ils se concentrent un peu moins sur les grosses innovations comme le Concorde, comme des fusées réutilisables et comme tout un tas d'autres sujets dont on va parler. Et donc c'est la combinaison des deux qui fait que il y a plus d'entrepreneurs qui veulent réussir, il y a plus d'argent disponible, et c'est pour ça que pour cette saison, on a une centaine de startups pendant toute la semaine qui exposent leurs innovations. Alors François est parti directement sur le sujet des nouveaux avionneurs, des nouveaux plateformistes, et effectivement toutes ces nouvelles entreprises un peu emblématiques dont on a besoin parce que ça tient un secteur. Mais peut-être ce qui s'est passé, et on le voit bien ici, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres domaines, c'est le foisonnement des technologies. C'est même quelque part la banalisation des technologies. Quand on fait le tour en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, auprès des grands organismes de recherche, que ce soit les CEA ici en Europe, que ce soit le Technion en Israël, que ce soit le MIT aux États-Unis, toutes ces structures-là, tous ces organismes de recherche, ils ont évidemment tous des structures de valorisation et qui passent très majoritairement par de la valorisation par des startups. Et donc, il y a toute une nouvelle génération. Vous êtes un bon exemple de cette tendance, de toute façon. Effectivement, il y a effectivement toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément passés par la case grand groupe industriel. Moi, je suis dans le groupe. Oui, soyez pas modeste, racontez-nous, parce qu'il a un parcours assez exceptionnel. J'ai été défini comme le monsieur industriel et je le revendique sur cette table ronde. Mais dans le groupe Safran, depuis 3 ans simplement, pour développer cette activité, co-diriger cette activité avec Hélène, qui est dans la salle, sur l'investissement minoritaire dans des startups. Mais après 15 ans comme investisseur, 5 ans comme entrepreneur. Voilà, donc c'est quelque part une troisième vie, et des profils tels que celui-là qui ont été côté entrepreneur, ont été côté investisseur, on commence effectivement à en trouver de plus en plus. Mais Grégoire, ce qui a changé dans cette industrie, ce qui change, c'est effectivement foisonnement des technologies, beaucoup plus d'entrepreneurs, et des entrepreneurs qui viennent d'autres domaines, qui viennent du monde du consumer, qui viennent du monde de l'automobile, qui viennent du monde de l'énergie, qui ont des moyens. Effectivement, le troisième pilier de tout ça, c'est effectivement des ressources financières qui sont effectivement très fortes. On voit les montants investis dans le space tech ou dans le fly tech. On commence à parler de plus en plus de fly tech, de technologies liées au ciel, sky tech. Dès qu'on commence à parler anglais dans un secteur, c'est que ça devient à la mode. Voilà, mais... Voilà, donc c'est ce trio des entrepreneurs, des technologies et de l'argent qui fait que les choses bougent. Alors François, ce qui est intéressant, vous disiez tout à l'heure que quelque part, pendant 15 ans, les grands industriels se sont un peu endormis sur leur laurier et que, grosso modo, quand il y a un problème, quand il y a un manque, eh bien, le vide est vite comblé par des jeunes startups qui viennent s'engouffrer. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est forcément à chercher du côté des startups ? Alors, ce qu'il faut se dire, hein, c'est qu'il y a autant de bons ingénieurs dans les grands groupes que dans les startups. Il y a autant de bonnes idées dans les grands groupes que dans les startups. Donc, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'idées, mais c'est plus une question de mise en œuvre. C'est vrai que dans une startup, on va pouvoir aller plus vite, développer un business model qui, quelque part, se moque des business existants qui peuvent exister dans le grand groupe.
Et donc, il y a beaucoup moins de barrières et on peut aller beaucoup plus vite. Si l'entrepreneur est bon, si son business est bon, il va pouvoir trouver des financements auprès de capitaux risqueurs, plutôt aux États-Unis, qu'il ne pourrait pas forcément trouver dans un grand groupe. Et donc, assez rapidement, l'entrepreneur et la start-up va pouvoir, en 2-3 ans, faire beaucoup plus de progrès qu'il pourrait le faire dans un grand groupe. Il y a un autre facteur qui rentre en cause, c'est que une fois que le projet grossit et qu'il faut mettre 200, 300 millions de dollars sur la table, dès l'instant où c'est trop en rupture, le grand groupe n'est en général pas payé par le marché pour faire ce genre d'investissement aussi risqué. Il est dans une logique d'amélioration de ses produits, continue, de renouvellement de gamme, mais relancer un supersonique, par exemple, c'est quelque chose de tellement risqué que je ne pense pas qu'un des grands groupes, Airbus ou Boeing, vont s'y lancer dans les quelques années qui viennent. C'est une question de culture du risque qui aurait disparu ou un peu moins prégnant du côté des grands groupes. Oui, alors ce à quoi il faut être attentif, c'est qu'on est quand même dans une industrie qui a effectivement des tendances de fond qu'on connaît bien ici au Bourget, qui sont celles du confort voyageur, qui sont celles de l'environnement, qui sont celles des nouveaux services. On est bien placé chez Safran pour savoir que par rapport aux carnets de commandes qui sont extrêmement bien remplis, la vingtaine de milliers de moyens courts et moyens courriers que l'industrie va devoir délivrer sur les 20 prochaines années, les flottes des compagnies aériennes, le trafic qui continue à croître à 4-5% par an, c'est effectivement globalement une industrie qui est en grand développement et où il y a tout un gisement de services nouveaux, de nouveaux usages. Encore une fois, on voit toujours les nouveaux avionneurs, on voit toujours les nouvelles plateformes, mais il y a un foisonnement d'autres sujets. Dans des groupes de 56 000 personnes pour le cas de Safran, il y a effectivement énormément de gens très brillants à l'intérieur du groupe. Il y a 7 milliards d'êtres humains, donc il y a énormément de gens brillants aussi à l'extérieur de nos groupes. Et donc aller chercher des gens qui travaillent autour de sujets de fabrication additive, aller chercher des gens qui travaillent autour de sujets d'exploitation des données. On fournit des concentrateurs de données, mais qu'est-ce qu'on peut faire des données qui sont liées à ces concentrateurs de données? On a fait une très belle opération avec Aéroport de Paris, ADP, une société qui s'appelle SafetyLine, autour de justement comment est-ce qu'on peut utiliser les données à bord de l'avion pour fournir, en l'occurrence, des services d'optimisation de la montée et baisser la consommation de carburant. Donc voilà, derrière les grands avionneurs, la réalité, c'est que dans la complémentarité entre les ingénieurs de nos groupes et des innovateurs qui viennent de l'extérieur, il y a moyen de bâtir des nouvelles offres. Donc beaucoup d'innovation du côté de l'énergie, du confort voyageur, mais vous n'avez pas tout à fait l'air d'accord. On prend un peu l'exemple Uber. Uber, par exemple, la société, vous le savez, a été créée parce que c'était un Américain qui venait à Paris, qui avait du mal à trouver un taxi, et quand il en a trouvé un, c'était sale, il ne pouvait pas payer en carte bleue. Il avait un problème, grosso modo, il a réglé son problème en créant une entreprise. Et vous dites que c'est aussi la motivation dans le secteur de l'aéronautique aujourd'hui. Parce qu'on considère que les innovations qui ont lieu en ce moment ne sont peut-être pas très orientés voyageurs. Il y a plusieurs motivations. Il y a sur tout ce qui est transport du passager, hein, que ce soit l'aviation commerciale ou plus du déplacement un peu plus courte durée. On voit des entrepreneurs qui veulent résoudre un problème aéromobile de l'autre côté. C'est vrai que le rêve d'avoir et à la fois une voiture avion, c'est clairement pour résoudre une envie, un problème et pour se déplacer plus facilement. On retrouve toute une autre famille de start-up qui, eux, sont plus des passionnés de la conquête spatiale. Et on voit des start-up qui veulent construire des stations spatiales privées, d'autres start-up qui veulent fabriquer des produits dans l'espace. Et donc, depuis peu, cette start-up-là qui s'appelle Made in Space à San Francisco a découvert un produit qui est une sorte de fibre optique qui est plus intéressante de produire dans l'espace économiquement que produire sur Terre. On voit des start-up qui veulent faire de l'astéroïd mining pour soit ravitailler une station spatiale, soit envisager des vols à plus longue durée. Donc on voit des écosystèmes et des gens passionnés qui veulent découvrir de nouvelles choses et ils n'auraient pas la possibilité de le faire dans des grands groupes plus cloisonnés, plus encadrés. Mais Grégoire, quand je vous entends, c'est quand même une démarche, et vous en êtes encore le symbole, encore une fois le symbole, des grands groupes actuellement que d'aller chercher. Tout à l'heure, on préparait un peu l'émission. Vous me disiez que chez Safran, vous êtes 5 000. Vous êtes combien chez Safran? 56 000. 56 000. Et qui a combien de milliards de personnes sur Terre? 7 milliards. Voilà. Et, ouais. Et vous m'expliquez justement que vous avez une démarche justement que d'ouverture
Mais je sais bien qu'on est dans une battle, on est censé se confronter, et je représente là le monsieur industriel. Mais il me semble que François a cité le bon terme, écosystème. On voit bien, en fin de compte, que ce qui est en train de se mettre en place, et encore une fois, cet événement en est un peu l'image, c'est un écosystème constitué de différents types d'acteurs. Par définition, on sait bien, comme équipementier de rang 1, qu'on est positionné dans une chaîne de valeur entre des équipementiers de rang 2 ou rang 3, des fournisseurs de matériaux et des avionneurs ou des compagnies aériennes. Mais l'écosystème auquel moi je pense, c'est effectivement par rapport à des nouvelles initiatives. On parle beaucoup dans notre domaine aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mobilité aérienne urbaine. Est-ce que c'est un sujet sur lequel peut apparaître, on sait bien qu'il y a les hélicoptères, et Safran est très bien positionné avec Safran Helicopter Engine sur la fourniture de systèmes de propulsion pour les hélicoptères. Les hélicoptères sont conçus pour faire du hovering, pour faire certains types de vols. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui s'est constitué à l'initiative souvent de nouveaux entrants. Vous parlez d'Uber. Uber a effectivement promu cette idée de on-demand mobilité, mobilité aérienne urbaine, et donc de constitution d'un écosystème. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet écosystème, vous trouvez des nouveaux acteurs, un certain nombre de nouveaux concepteurs d'aéronefs à décollage vertical, multirotor, avec du convertible. Mais vous trouvez aussi toutes sortes d'équipementiers existants. Et ces écosystèmes, vis-à-vis de toute une série de parties prenantes, vis-à-vis de l'EASA ou de la FAA, c'est bien dans la coopération entre des nouveaux et des équipementiers importants que ces écosystèmes pourront progresser. Alors, juste une seconde, on est bien sur Paris Air Lab, on est bien sur dans le hall Concorde, on est, parce que j'ai de nouvelles personnes qui sont venues, à penser, il y a des places assises devant, restez pas derrière. On a une traduction en anglais pour ceux qui ne parlent pas. We have a French translation, just need to grab a headset over here. Come over, there's plenty of room in the front. On est là avec François Chopard et Grégoire Aladjidi, monsieur industriel, mais c'est pas aussi simple que ça, il va nous expliquer encore. Et on est là pour parler de l'avenir de l'industrie, enfin du secteur aéronautique et du secteur spatial. Est-ce que cet avenir est complètement dévolu aux startups? Grégoire développe une thèse actuellement qui dit, mais non, c'est plutôt des notions d'écosystème et innovation, la tendance à la voir un peu sur les gros appareils, les avionneurs, alors qu'il se passe plein de choses du point de vue des équipementiers. Et vous expliquez qu'il y a plein de startups très différentes aujourd'hui qui sont dans ce secteur. Et là, on va parler de cette notion d'écosystème. Comment on fait pour travailler en écosystème? Qu'est-ce que ça change de travailler en écosystème? Moi, je voulais juste rappeler le fait que s'il n'y avait pas des startups qui redéveloppaient ou qui voulaient redévelopper le supersonique, on n'en parlerait pas. Hein, si on ne parlerait pas de fusées qui réatterrissent s'il n'y avait pas des startups. On ne parlerait pas de voyages sur Mars. Depuis que Musk, l'année dernière, a annoncé sa volonté d'aller sur Mars, alors est-ce que ça a du sens ou pas? C'est une autre question. Oui. Hein. On ne verrait pas Boeing annoncer qu'il veut aller sur Mars, l'ESA annoncer qu'il veut aller sur Mars. Donc, il y a quand même un formidable élan qui est poussé par les startups. Alors après, c'est vrai qu'on va retrouver différents modèles de collaboration de ces startups. On va avoir des startups et... alors c'est vrai que je parle beaucoup de startups qui sont dans la Silicon Valley, mais je rencontre des startups qui me disent « Oh là là, je suis en train de redévelopper un nouveau satellite, mais bon, j'ai fait le premier proto moi-même, là j'ai levé de l'argent, et les suivants, je vais les faire fabriquer par... j'ai lancé un appel d'offres pour les faire fabriquer par les acteurs historiques. » Et qui me dit bah, « J'ai reçu la réponse de Thales, mais Airbus, ils sont encore à la bourre, ou Airbus ou un autre. » Et donc on voit là qu'il y a certaines startups qui inversent le modèle. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont passées en donneur d'ordre, c'est elles qui proposent la solution finale et qui s'appuient sur un écosystème de grands groupes qui au final vont produire les différents éléments. Vous avez un exemple très concret? Oui, c'était... le premier exemple, c'est Skybox. Hein, Skybox qui était racheté par Google pour 500 millions de dollars. Ouais. Hein, ils ont fabriqué les deux premiers protos et ensuite c'est L'Oréal, hein, L'Oréal Space System qui a gagné le contrat et qui fabrique les suivants. Et des exemples d'autres, les stations spatiales, les quelques startups qui envisagent ces concepts. Une startup qui s'appelle Axiom, basée aux États-Unis, c'est Thales qui fabriquera les différents modules.
Boom, quand il annonce son supersonique, il discute avec un motoriste existant, avec un électronicien existant, et puis un aérostructure, un fabricant d'aérostructure existant. Donc on a ce modèle où c'est la start-up qui prend le lead et qui emmène les grands groupes plutôt équipementiers avec lui. L'autre modèle, et qui est quand même plutôt le modèle général, je dirais que c'est à peu près 20-80, la plupart des autres start-up, elles proposent une innovation technologique, une brique technologique, dont leur principal objectif est d'aller vendre ça à des grands groupes, que ce soit des équipementiers, des OEM ou des opérateurs de maintenance. Mais oui. On est vraiment dans un mode en plein foisonnement où on voit émerger à différents niveaux de la chaîne de valeur. Que ce soit des petites technologies comme Aralis, par exemple, qui a développé un nouveau capteur de communication en gigahertz et qui vient de lever 50 millions de dollars, ou un Boom ou autre qui lève entre 20 et 30 millions de dollars juste pour démarrer. Grégoire, comment on profite justement de ce foisonnement dont parlait François ? On en profite de différentes façons, mais pour répondre à mon ami, la réserve qu'on peut avoir par rapport à toutes ces initiatives qui peuvent être effectivement drivées par des startups, c'est celle qu'on avait pu avoir une décennie avant dans d'autres industries, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou que ce soit dans le domaine de l'énergie, du stockage d'énergie, où en fin de compte, ça n'est pas simplement les montants investis, ça n'est pas simplement la qualité des dirigeants qui derrière fait la réussite de ces projets. Et dans l'automobile, on pense toujours évidemment à Tesla. On a oublié Fisker Automotive et la dizaine d'autres véhicules électriques qui s'étaient lancés au début des années 2000 pour aller faire un véhicule électrique. Et donc ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'effectivement, dans l'aéronautique, ça fait maintenant 4-5 ans, tous nos groupes ont perçu que pour préparer l'avenir, à côté effectivement des plans de production importants, et c'est aussi ça la priorité de nos groupes, il y avait des logiques d'accélération de nos propres innovations, de préparation de l'avenir, d'ouverture, et ça pouvait passer par toute une série de nouveaux outils. C'est plus simplement un panel fournisseur, oui. Et on met au panel des fournisseurs innovants. Des brevets d'un côté, des panels fournisseurs de l'autre. Mais c'est effectivement différents types d'outils, de type coopération technologique. On a effectivement des exemples de grands programmes où c'est 30 ou 35 millions d'euros autour de systèmes embarqués critiques, où il y a besoin d'avoir quelques grands donneurs d'ordre comme clients finaux. On se retrouve d'ailleurs, Safran, Thales aussi, Airbus, et puis quelques fournisseurs de technologies, plutôt start-up, qui vont être là dans un écosystème. Donc des projets collaboratifs, oui. Des projets de développement, des achats innovants. On aura demain, jeudi, sur le chalet Safran, une petite conférence où il y a une dizaine de PME start-up qui viennent expliquer avec leurs homologues du groupe comment est-ce qu'elles interagissent ensemble. Comment est-ce qu'au travers d'achats innovants, comment au travers de coopération, comment au travers d'investissement, une PME, une start-up, elle peut interagir avec un groupe comme Safran? Alors je vous interromps juste parce qu'il y a une question qui est pile sur le sujet que vous abordez actuellement. On me pose, c'est Benjamin qui pose la question, quel intérêt pour un grand groupe d'investir dans quelques start-up par an quand 5500 plutôt pourraient répondre à ses besoins? Cette idée du choix, peut-être la question, comment on choisit la start-up avec laquelle on travaille, et peut-être que François aussi peut répondre. N'hésitez pas à poser des questions, le hashtag. C'est très simple, parce qu'en fin de compte, ça renvoie à qu'est-ce que c'est qu'un corporate venture, qu'est-ce que c'est effectivement que ce nouveau type de véhicule de prise de participation minoritaire dans des start-up. Il y en a différents modèles, depuis ce que peuvent faire des Google jusqu'à ce qu'on fait des Intel ou des GE depuis très longtemps. Et en fin de compte, le choix qui a été fait chez Safran, c'est que l'outil Corporate Venture est un outil parmi d'autres qui doit servir la stratégie du groupe, la stratégie des sociétés du groupe. Donc on est bien là, effectivement, c'est de l'argent des actionnaires de Safran. Oui. Donc on est bien là pour préparer le futur de Safran et donc accélérer notre propre innovation, voir comment Safran peut prendre des positions. On parlait de nouveaux marchés, prendre des positions sur des marchés qui potentiellement peuvent s'ouvrir. Et donc on est là dans une logique effectivement extrêmement sélective,
On a fait 6 opérations en un peu plus de 2 ans. La 7e est dans les tuyaux, on la boucle juste après le Bourget. Et donc on est dans cette logique. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour investir dans les startups. Alors, pour gagner de l'argent. Il faut effectivement gagner de l'argent parce que c'est le gage de pérennité d'une activité comme ça. Ce que je veux dire, c'est comme certaines entreprises investissent dans les startups pour gagner de l'argent dans l'introduction en bourse. Vous, c'est pour gagner de l'argent dans les métiers de Safrance. C'est ça la nuance. On est effectivement dans une logique de préparation de l'avenir, de comment est-ce qu'on peut. J'aime pas le mot capter parce que c'est des opérations où on n'est pas contrôlant, on reste minoritaire. Mais comment est-ce que des technologies qui viennent plutôt de l'automotive ou qui viennent plutôt du secteur énergétique, elles peuvent avoir des débouchés dans le domaine de l'aéronautique? Vous savez bien que le domaine de l'aéronautique ici, c'est, quand on est au Bourget, on a l'impression que c'est une industrie énorme en tant que telle. Mais pour des fabricants de semi-conducteurs, on annonce jeudi une opération dans le domaine des semi-conducteurs. Leur marché, c'est les data centers, leur marché, c'est l'automobile. L'aéronautique n'est qu'une partie de leur marché. Et donc voilà, on est bien dans aller chercher des sujets qui peuvent rentrer dans les stratégies de nos sociétés, des sociétés du groupe, mais où on va bénéficier aussi de ce qui se fait dans d'autres industries. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être contrôlant, et c'est pour ça qu'on peut être minoritaire. François, justement, quel est dans le choix de la start-up et aussi quelles sont les limites? Parce que j'ai entendu certaines start-up qui disent « Oui, travailler avec les grands groupes, a priori, c'est bien, mais grosso modo, on pique mes idées et j'ai du mal à transformer mes technologies en produits qui s'intègrent vraiment dans la stratégie d'entreprise. » Moi, je voulais revenir sur l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. On parlait de voitures électriques et de Tesla. Aujourd'hui, il faut savoir que des start-up qui veulent développer des lanceurs du type SpaceX, on en a identifié plus de 50. Des startups qui développent des petits satellites, des CubeSats, pour faire de l'observation de la Terre, on a identifié plus de 60. Des projets de voitures volantes ou de déplacement rapide, pareil, et on est prêt d'en avoir une centaine. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a 100 startups qui sont représentées, mais c'est vraiment une révolution dans l'aéronautique qui est en train de se passer, avec plus de 1000 startups qui sont en train d'arriver, et avec chacun l'objectif de se faire une place, de disrupter les règles et de montrer que ce qui était a priori pas possible est possible. Est-ce que c'est possible pour elles de travailler avec les grands groupes et quelles sont les limites justement de ce travail avec les grands groupes? C'est peut-être le point sur lequel on s'oppose avec Grégoire. Moi, je pense que les start-up, au début de leur vie, donc dans les tours d'amorçage, ce qu'on appelle série A, série B, elles ne devraient pas aller chercher de l'argent auprès des corporates. Ça, c'est parce que le corporate malgré le fait qu'il reste minoritaire, va forcément bloquer la start-up d'une manière ou d'une autre. Si Safran investit, probablement que Rolls va avoir du mal à collaborer avec la start-up, Pratt & Whitney aussi. C'est bloquant que de travailler avec un investissement corporate, une grosse entreprise? Tout dépend de l'objectif de l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, à partir du moment où il prend de l'argent d'un corporate, il limite sa valorisation, il limite sa capacité à croître, et il limite sa capacité à sortir et à valoriser au maximum son entreprise. On peut demander à Grégoire de répondre peut-être. Elles sont limitées les startups qui travaillent avec vous. C'est un extraordinaire débat. La règle que les industriels qui ont lancé des structures de corporate venture ont bien intégrée, c'est celle du pari passu. En fin de compte, si vous voulez être accepté sur des tours des tables aux côtés des Accel ou des Kleiner Perkins ou des Y Combinator ou aux côtés de leurs homologues c'est européens. C'est les accélérateurs, tous ces dont on parle. Tous ces grands fonds de capital risque Silicon Valley ou leurs homologues européens, il faut que vous acceptiez leurs règles. Il faut que vous investissiez en pari passu. Vous ne demandez pas d'exclusivité, vous ne demandez pas de droit de premier refus. Vous êtes effectivement un minoritaire parmi d'autres investisseurs. En revanche, c'est le pari passu qui fonctionne dans les deux sens. Ouais. Ben, l'intérêt, il est dans les marchés auxquels on peut donner accès. L'intérêt, il est un des entrepreneurs avec lequel on fait un bout de chemin, avec lequel on a investi, Lionel Jousmet, il a l'habitude de nous dire, il travaillait déjà avec le groupe, il a l'habitude de nous dire, maintenant que vous êtes associé, on est un peu en famille. On n'est pas frères et sœurs, on est cousins. Et donc effectivement, pour les discussions qui sont par ailleurs des discussions entre guillemets clients-fournisseurs, qui sont des discussions de partenariat, qui peuvent être parfois un peu rudes, parce que toute relation client-fournisseur, à un moment, il faut que ça se tende, il y a un intermédiaire, qui est la structure d'investissement,
qui peut jouer un rôle d'intermédiaire, très schizophrénique quelque part, très schizophrène, mais qui par définition est là pour faire en sorte que ça se passe mieux. Voilà. Et donc cette idée, quand on fait du corporate venture et quand on accompagne des startups, on est là pour être en pari passu avec d'autres. C'est maintenant quelque chose. Je pense que c'est un vieux débat. Excuse-moi, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Mais c'est un nouveau débat pour l'aéronautique. C'est un débat qui a été adressé dans d'autres industries. Quand on regarde aujourd'hui les grosses startups américaines, peu ou pas ont été financés par des corporates. Oui. Hein. Mais alors maintenant, moi, j'aimerais bien revenir, parce que François parle beaucoup d'avionneurs ou de plateformistes ou qui sont effectivement... Oui, parce que l'innovation est partout, elle n'est pas que dans les grosses boîtes. C'est sujet très emblématique. Voilà. Je voudrais évidemment juste rappeler ici, au Salon du Bourget, on sait bien, par définition, l'aéronautique est pas monochrome. Il y a énormément de segments, depuis l'aviation commerciale, l'aviation générale, l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, début des années 2000, il y avait un nombre de projets pour aller faire des biz jets assez phénoménal. Tout ça mais qui sont sortis maintenant. Disparu, a connu de grandes difficultés 2008-2009. On va retrouver Cirrus, on va retrouver Honda, Embraer a sorti son projet. Certains sont tombés. Après, je ne dis pas que les 1000 startups aujourd'hui seront 1000 licornes de demain. Mais sur les 1000, on va forcément en voir émerger, prendre des parts de marché. Ça ne veut pas dire que Airbus ou Boeing vont mettre la clé sur la porte. Bien sûr que non. Quand on prend encore une fois l'exemple de SpaceX, 12 milliards de dollars de valorisation, c'est quoi ça a bougé les lignes de 1% dans le secteur aéronautique. Ariane est toujours là et se porte très bien. Ou 1 pour 1000. Mais juste, je voudrais qu'on continue justement, sans s'opposer sur ce point-là, mais juste, quels sont les problèmes aujourd'hui, quels sont les freins des startups pour justement se développer dans ce secteur. On a vu que, vous citiez d'ailleurs des exemples de grands projets qui se sont cassés la figure. C'est quoi la grande difficulté, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui, les freins, quand je suis une start-up, pour attaquer le secteur de l'aérospatiale? Bon, on a évidemment quelques grandes spécificités dans notre domaine, dans l'aéronautique. La première d'entre elles, c'est la maturation des technologies. Chez Safran, où on introduit régulièrement des innovations fortes, dernière innovation sur le moteur LEAP, le successeur du CFM, où on est très fier du tissé 3D, de ces aubes de soufflantes en matériaux composites, qui, parmi d'autres innovations, permettent de baisser la consommation de carburant d'une quinzaine de pourcents. C'est des développements qui ont été démarrés au début des années 90, qui ont été certifiés en 2013 ou 2014. Donc on sait bien effectivement qu'on est dans un domaine où la maturation des technologies est un enjeu. Pas pour rien que l'échelle des TRL, Technology Readiness Level, a été inventée dans le domaine de l'aéronautique. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que de par ce foisonnement des entrepreneurs, les choses peuvent aller plus vite. Moi, dans les années 2000, j'ai participé à une aventure dans le domaine de l'ingénierie logicielle, société qui s'appelait Esterel, qui a été rachetée par ANSYS, qui était sur des systèmes de modélisation haut niveau, qui est devenu SCADE, est devenu la référence de tous les avionneurs. Ils ont mis une petite dizaine d'années à être certifiés aéronautiques. On a accompagné une société un peu équivalente il y a 3 ans, Chronosef, qui sera certifiée aéronautique fin 2018. Le cycle de certification aéronautique, c'est moins de 3 ans. Oui. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça? On arrive à faire ça parce qu'en fin de compte, ce sont les mêmes personnes derrière. Ce qui est intéressant, on en revient aux hommes, on en revient aux entrepreneurs, c'est on est dans un monde où l'écosystème, l'effet de foisonnement, l'effet d'apprentissage... D'où l'intérêt de collaborer. Là encore, on est sur un discours de grand groupe. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais non, vous êtes la start-up, évidemment. Non, les cycles de certification ont énormément diminué. En tout cas, vu d'une start-up, quand je vois Explicite qui est capable de certifier un siège en 9 mois, si on discute avec Zodiac, c'est impossible en moins de 3 ans. C'est juste une manière de penser, une manière d'aborder les choses avec un prisme différent et le fait de ne pas vouloir répéter ce que tout le monde sait faire. Donc c'est aborder ces processus de certification qui ne sont pas si compliqués que ça et que les grands groupes érigent en barrière à l'entrée. Alors que SpaceX, ils ont été capables de développer des moteurs de fusée, ou Blue Origin plus particulièrement, alors qu'on pensait que c'était un domaine qui n'était pas possible. Le moteur d'avion, ce sujet de la sûreté. Le moteur d'avion,
Ce que fait Snecma est probablement le produit le plus compliqué. Ceci dit, avec l'arrivée de l'hybride et de l'électrique, on va bientôt ne plus en entendre parler. Donc, avec l'arrivée de moteurs électriques, on est sur des technologies qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus distribuées, et qui sont poussées aujourd'hui par des startups. Mais sur le mot, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que... C'est vrai. Non, et ce sujet de la sûreté de fonctionnement, c'est la deuxième grande spécificité, effectivement, de notre industrie. On a coutume de dire qu'en fin de compte, la sûreté s'impose aux acteurs. Alors, les entrepreneurs, on l'a vu dans d'autres domaines, ils sont bien placés pour, effectivement, faire évoluer les réglementations. Aller approcher dans nos domaines l'AFA et les ASA pour créer les nouvelles conditions. Maintenant, la réglementation, la sûreté s'impose. La sûreté et quand j'entends le CTO d'un fabricant d'un de ces nouveaux aéronefs à décollage vertical me dire moi-même, je ne monte pas dans mon aéronef. Il a fait un véhicule, superbe prototype. Mais pour ça, il y a des pilotes. Mais quand il s'agit d'aller faire voler c'est comme des si personnes, petit Colin sa première réaction à lui, c'est de dire je ne monte pas dedans. Alors, juste pour résumer, selon vous, aujourd'hui, il y a des véritables barrières à l'entrée parce que le secteur, sur la conformité, sur la sécurité, sur la cybersécurité, il y a des contraintes. Et vous, selon vous, c'est pas un problème. La sûreté de fonctionnement, on l'érige comme quelque chose de compliqué. C'est aussi compliqué que de la mécanique des fluides en supersonique. Alors, est-ce qu'il y a une technique ? Est-ce qu'il y a un frein pour les startups ? Non, le seul frein aujourd'hui des startups, c'est le financement. Le financement est compliqué en Europe parce qu'il n'y a pas de VC spécialisé dans le domaine et que l'argent est compliqué. Aux États-Unis, l'argent est illimité. Donc, aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'entre San Francisco, Seattle et Los Angeles, on voit autant de startups émerger. Rien que l'année dernière, l'argent investi dans les startups aéronautiques et spatiales a dépassé les 2,5 milliards. Aucun grand groupe ne dépense autant en R&T. C'est en train d'émerger. Au premier trimestre, on a eu 10 séries A à plus de 20 millions de dollars, encore une fois aux États-Unis. Donc non, il y a... La limite, c'est l'argent, c'est le financement. Bien sûr. La limite va évidemment un peu au-delà de l'argent. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Donc il y a effectivement moyen de financer des projets ambitieux. Maintenant, et l'échelle a un peu changé. Une série A qui se faisait autour de 5 millions dans nos domaines, c'est plutôt 20 millions ou 25 millions. Et puis on passe à des séries B qui sont à hauteur de 200 millions. Mais l'argent ne fait pas tout malgré tout. Parce que derrière, il faut effectivement... Alors l'argent permet d'avoir des compétences, permet d'attirer des talents. Et talents, c'est un des enjeux de nos groupes, effectivement aussi, de retenir ces talents-là plutôt que d'aller dans des startups. Mais les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont aussi là, au sens sûreté de fonctionnement, maturité des technologies. On parle beaucoup de distribuer, et on ne l'a pas tellement évoqué, mais effectivement, la place de toutes ces technologies, type technologie de l'information, logiciel. Mais dès que vous faites appel à des technologies moins chères, banalisées par les technologies de l'information, vous êtes confronté soit à des bugs, soit à des nouveaux enjeux de type cybersécurité. Est-ce qu'encore une fois, l'usager final, mais aussi les organismes de certification, accepteront de certifier des nouveaux aéronefs sur lesquels il y a des nouveaux risques aujourd'hui dans nos aéronefs. On va pas vous réconcilier sur ce point-là. On a que 5 minutes, c'est pour ça qu'il nous reste 5 minutes. Oui, mais j'ai le droit aussi de parler. Ce qu'on voit en France, et c'est toujours le problème en France, c'est que il n'y a pas d'argent pour les start-up. Et c'est vraiment... Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore... Non, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça. Et du coup, tous les projets, on a un tropisme, ce qui fait qu'on voit les startups en France comme des petites entités sympas dans lesquelles on va investir 1 million, alors que l'autre côté de l'Atlantique, on investit plutôt 10 ou 15. Donc forcément, on voit plein de problèmes alors qu'il n'y en a pas. Je vais te répondre là aussi. Pour avancer, j'anticipe s'il vous plaît. Un petit peu et je fais un peu de teasing. On annonce jeudi sur le chalet Safran une opération sur une société française qui jusqu'à présent avait levé 60 millions d'euros et qui annonce un tour de pas 25 avec des acteurs acteurs français et des acteurs internationaux. Les deux. S'il vous plaît, on a bien compris vos positions. L'argent, c'est la seule limite, selon vous. Et vous pensez qu'il y a des limites structurelles au secteur. Je voudrais juste un moment, pour continuer sur cette idée, vous demander à chacun de vous, dans 10 ans, comment vous voyez ce secteur évoluer. J'ai ma petite idée sur votre réponse. Sur, justement, cet avenir entre l'innovation qui est portée par les startups
plutôt collaborative ou la start-up qui finalement peut quasiment tout faire. Grégoire. Alors peut-être quelques réflexions par rapport à ça. Il y aura probablement de nouveaux types d'aéronefs et j'ai même pas dit des nouveaux avionneurs. Peut-être qu'il y aura effectivement des nouveaux avionneurs. La réserve que j'y mets, on met toujours en avant SpaceX et Tesla. Il n'y a qu'un Elon Musk de la même façon qu'il n'y avait qu'un Steve Jobs et qu'il n'y avait qu'un seul Bill Gates. Non, mais y a tous les, tous les 20 Bezos, entrepreneurs qui ont lancé des avionneurs ne feront pas tous des nouveaux avionneurs. Mais il y aura effectivement probablement des nouveaux aéronefs. Il y aura probablement, et ça, ça nous intéresse beaucoup, des nouveaux segments de marché qui s'ouvrent. Pour une raison assez simple, on parle beaucoup de véhicules autonomes, mais lever la tête, la nature horreur du vide, la troisième dimension, c'est effectivement une dimension assez fantastique à aller conquérir. Donc il y aura probablement des nouveaux services, et quand on voit des gens comme Uber, mais aussi les grands de la filière, nos partenaires d'Airbus qui investissent assez lourdement sur tout ce qui est un domaine de mobilité, il y a quelque chose qui apparaîtra là-dessus. Et la dernière idée, moi, quand on essaiera de regarder 10 ans a posteriori ce qui s'est passé sur les 10 prochaines années, je crois que l'un des enjeux les plus importants pour nos groupes industriels, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait évoluer nos organisations avec, en fin de compte, c'est pas des silos, parce qu'un groupe comme Safran est extrêmement bien organisé, mais avec des R&D, c'est un modèle, des directions techniques, des directions industrielles. Et donc, effectivement, nous, on a déjà mis en place des sujets d'ingénierie collaborative. On réfléchit sur qu'est-ce que peut être le crowdsourcing, le crowd engineering, comment est-ce qu'on fait appel à... Et c'est très générationnel, parce qu'il y a toute une nouvelle génération d'ingénieurs qui ont envie de travailler dans des environnements beaucoup plus ouverts. François peut vous répondre. Non, mais il y a trois domaines qui sont en train d'émerger. Ce qui se passe dans le spatial, hein, et donc on voit des startups, et d'ici 10 ans, il y aura forcément des stations spatiales privées. Il y a plusieurs startups qui sont en train d'émerger et on fabriquera dans l'espace avec des vols quotidiens vers ces stations spatiales. On parle de plus de entre 5 et 10 000 personnes dans l'espace. C'est quelque chose de nouveau. Deuxième point, tout ce qui est transport commercial, on est en train de voir émerger des avions supersoniques. Dans 10 ans, il y aura des avions supersoniques. On pourra refaire Paris-New York en 3 heures. Si on regarde encore ce domaine-là, on voit des startups dans le domaine de l'avion régional hybride. Hein, et donc oui, dans les petites distances, pour descendre à Marseille ou à Bordeaux, on consommera beaucoup moins que les avions qui sont là aujourd'hui. Et enfin, dans la mobilité urbaine, en 2020, Uber, pas par ses véhicules, mais par d'autres, prévoit les premiers taxis volants. Dans 10 ans, ce sera devenu et tout ça, c'est des startups beaucoup plus... Et tout ça vient de start-up, avec l'appui d'un certain nombre de grands groupes pour des équipements, pour des moteurs, pour autres, mais certainement poussé par des start-up. Alors, juste pour résumer la position des uns et des autres, et c'est là que vous intervenez, j'ai déjà quelques questions, mais préparez, chauffez vos questions, j'ai un micro, je pourrais me déplacer pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui ne peuvent pas envoyer sur les tweets. On a quand même, si on demande la vision, c'est que j'ai l'impression, alors je caricature peut-être votre propos François, mais c'est que grosso modo, il n'y a pas de limite à part le financement, il y a une innovation, une énergie telle du côté des startups, et qu'aujourd'hui, elles peuvent quasiment... tout balayer demain, et je vous écoute aussi, vous dites non, c'est plus compliqué que ça, c'est un secteur extrêmement difficile, il y a des contraintes intrinsèques dans l'ADN même du secteur, sur la réglementation, et il faut du temps, alors que les startups n'ont pas le temps, elles sont trop pressées, et qui peuvent peut-être freiner ces startups, donc le futur sera plus mélange de collaboration entre startups et grands groupes. Est-ce que je caricature trop au propos, ou est-ce que c'est ça? On peut peut-être faire une... aller regarder ce qui s'est passé dans d'autres industries. Regardons l'automobile. Volkswagen est toujours là, en dépit des problèmes de diesel. Toyota est toujours là. General Motors est toujours là, plus flamboyant que jamais. Alors certes, Tesla a apparu. Les équipementiers sont toujours là. Valeo est toujours là. Faurecia est toujours là. Renault est toujours là. Mais c'est pas la question. Qu'est-ce qui est apparu ? Des nouveaux segments sont apparus. La propulsion électrique. Aujourd'hui, l'autonomie est effectivement un des grands sujets. Et tous nos groupes... Et après... À la recherche de quoi est-ce qu'ils sont? Nos groupes, ils sont à la recherche de la préparation de l'avenir. Ils sont à la recherche de relais de croissance. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie aéronautique, elle a effectivement des plans de production qui sont importants. Elle a effectivement des ressources. Et elle peut se tourner vers ces nouveaux services, ces nouveaux segments.
Ce qui est très clair, c'est qu'il y a un foisonnement des technologies. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a même une banalisation des technologies. Il y a un risque de concurrence. Et tout le monde en profite. Si mais tout le monde en profite. Mais vous pensez que non, c'est pas aussi simple que ça. Qu'elles vont se rebeller, les startups. Je dis pas que les gros industriels vont disparaître. Hein. C'est pas mon message, hein. Bien sûr que non. Mais quand on voit qu'aujourd'hui Tesla vaut plus que General Motors, ça en dit long sur ce qui va se passer dans l'avenir. Aujourd'hui, qui a envie encore de circuler dans un véhicule diesel, dans une Ford, plutôt que dans un véhicule électrique, l'avenir, ou dans un véhicule avec une pile à combustible. L'avenir est clairement poussé par ces technologies et ces nouveaux acteurs, et bien sûr que les gros, on le voit dans l'automobile, vont suivre. Mais ils rachètent des start-up à coups de milliards. Hein. Donc c'est probablement un paysage comme ça qu'on retrouvera dans 10 ans, poussé par des start-up et équilibré entre grands groupes et nouveaux acteurs. Hein. Allez, on va ouvrir la scène aux questions-réponses. Préparez vos questions, si vous avez une question, levez la main. J'en ai quelques-unes déjà sur Twitter. Il y a une question, première question, à tous les deux. Selon vous, quelle innovation technologique majeure va bouleverser, qui est la plus prometteuse pour le secteur aéronautique et spatial demain ? Grégoire ? Alors moi, j'ai ma petite idée là-dessus. C'est tout ce qui est distribué, tout ce qui est réparti. C'est-à-dire La complexité liée à l'intelligence et de la propulsion distribuée, l'équilibrage distribué sur des aéronefs, avoir effectivement, voir de la même façon que Tesla est un ordinateur roulant, est-ce que demain un aéronef est conçu avec toujours plus d'électronique et de logiciels embarqués, avec une gestion de la complexité toujours plus compliquée. Oui, voilà. Moins verticale, mais plus distribuée. Et pour moi, c'est la principale innovation sera dans la manière dont on interagira avec les transports. Et peu importe le véhicule, peu importe que ce soit une voiture, un hélicoptère, une voiture volante, ce qui m'importe, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et donc, c'est l'interfaçage entre ces nouvelles plateformes, des logiciels comme Uber, collaboratifs ou pas, qui me permettront de me déplacer le plus fluidement possible, sans embouteillage, et peu importe ce que j'emprunterai. Alors, une question pour vous, François. Comment les startups vont-elles gérer leur croissance et ne pas devenir des corporates qui, elles aussi, vont se faire après balayer par des startups? C'est clair qu'il n'y a pas de réponse miracle. Hein. Encore une fois, quand on prend SpaceX, qui est un peu l'historique startup, on voit aujourd'hui les jeunes diplômés qui rentrent chez SpaceX, ils restent 3 ans parce que c'est une bonne carte de visite, c'est une bonne image, et qu'ensuite, ils partent créer leur startup ou ils partent dans une autre entreprise. Le problème de croissance, c'est un vrai problème. Une startup, quand elle croit, elle rentre dans le modèle plutôt grand groupe et elle se recrée les mêmes problématiques. Hein. Aujourd'hui, on voit des startups émerger avec des moteurs, avec des technologies dans le domaine du réutilisable qui seront dans quelques années beaucoup plus performants que SpaceX. Hein. Oui. Non, c'est toujours ça. Hein. De toute façon, la concurrence est juste à côté. Là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. Une question pour vous, c'est Tim qui la pose. Non, c'est pas Tim, c'est Oussem, pardon. Pensez-vous que les startups qui obtiennent des certifications en temps réduit contribueront à une baisse de qualité des aéronefs? Vous pouvez répondre aussi. La qualité, mais en fait, compte, la sûreté s'impose à tous les acteurs. On n'imagine pas nous-mêmes monter dans un aéronef ou même par rapport... Ce qui marche beaucoup sur les taxis roulants, c'est d'aller mettre sa fille le soir quand elle rentre de soirée, laisser ça à Uber. Est-ce que vous laissez rentrer vos enfants sur un aéronef sur lequel vous n'avez pas le niveau d'exigence de sûreté qu'a l'industrie aéronautique? Donc évidemment, la sûreté s'impose et il n'y aura pas de qualité au rabais. Il ne peut pas y avoir de qualité au rabais. Deux points là-dessus. Hein. Les organismes de certification, que ce soit l'EASA en Europe ou la FAA aux États-Unis, ne font pas de distinction en termes de certification pour savoir si c'est une start-up ou un grand groupe. Le deuxième point, c'est qu'en termes d'aéronautique, la fiabilité et en gros, la sûreté des vols est entre 1000 et 10 fois et 10 000 fois plus fiable qu'un véhicule automobile, hein, ou que se transporter sur une route.
À terme, est-ce que ces deux fiabilités ne vont pas merger pour arriver à peu près au même niveau, puisque de toute manière, ce qui compte, c'est de se déplacer, et que ce soit sur la route ou dans les airs, le niveau de risque devrait être le même. Donc il y a des chances, en tout cas de mon point de vue, que la certification aéronautique évolue pour poursuivre et s'approcher plus de ce qui se passe dans l'automobile. S'il y a des questions dans la salle, levez la main, je viendrai les chercher. N'hésitez pas, hein. Alors moi, j'ai une question pour chacun d'entre vous. La première, c'est je suis une corporate, je suis un grand acteur du secteur. Qu'est-ce que je peux tirer d'une start-up? Qu'est-ce que je peux apprendre des start-up? Et vous, je vais vous poser la question inverse. Je suis une start-up, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux retirer d'un corporate? Faire. Effectivement, la caractéristique des start-up et des vrais entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, entreprendre est extrêmement à la mode mais il faut effectivement faire une distinction entre celui qui a ça en soi et qui est capable d'être un véritable entrepreneur et puis d'autres qui se prétendent entrepreneurs, entre guillemets. Mais effectivement, un entrepreneur, quelles que soient les difficultés auxquelles il sera confronté, il trouvera sa voie, il fera. Et ça, c'est effectivement des sujets que même dans nos groupes, on peut réapprendre. Achieve, réaliser. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser plus de temps, de place à l'initiative, réduire les cycles et les procédures. Qu'est-ce que vous voulez dire quand une entreprise, les grands groupes vont vous dire, mais on fait nous aussi? Il y a des environnements où il est nécessaire de mettre en place des organisations de type gestion de projet lorsqu'il s'agit de réagir à des crises ou lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des grands programmes. Et en même temps, il y a des environnements, et c'est pas pour rien que les groupes comme les nôtres réfléchissent à ce qui est intrapreneuriat ou comment est-ce qu'on fait germer des initiatives qui peuvent franchir des étapes, mais dans des modes différents de ceux des modes gestion usuels, projet, etc. Un peu plus d'agilité. Ce qui me fait sourire, c'est quand on dit que l'entrepreneuriat est à la mode. On a l'impression que l'aéronautique découvre la Silicon Valley, et la Silicon Valley est un modèle entrepreneurial qui a plus de 50 ans. Encore une fois, il y a 100 fois plus de montants investis aux États-Unis qu'en France. Donc effectivement, en France, on découvre l'entrepreneuriat depuis Emmanuel Macron. Il y avait quand même eu une bulle entrepreneuriat dans la fin des années 90, mais ce n'est pas nouveau. Et c'est, jusqu'à maintenant, le meilleur mode de création de valeur et de création de grands groupes aux États-Unis et dans le monde. Donc le top 10 des plus grosses valorisations mondiales, 5 ont été financées par le capital risque. Ensuite, pour une start-up, elle évolue dans un monde compliqué. Le grand groupe, malgré tout, pour une start-up, c'est à la fois le Graal, parce que dans 90% des cas, c'est le client final, et donc c'est ce vers quoi elle doit tendre, et à la fois, c'est un concurrent potentiel, c'est une entité qui a des cycles et une manière de regarder le cycle de vie du produit qui est beaucoup plus long et qui peut tuer la start-up sans le faire exprès en un battement d'ailes. Donc la start-up, elle a à la fois en rencontrer un maximum parce qu'elle ne peut pas se contenter d'un seul client potentiel, et à la fois elle être précautionneuse de collaborer avec les bons. D'accord, donc il faut qu'elle fasse attention à ses arrières, quelque part, la fameuse start-up. Et pour travailler avec une cinquantaine de corporates à travers le monde, je dois dire que Safran a plutôt mis en place les bons outils et la bonne approche pour collaborer avec elle. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé et qui est de fait important dans les échanges qu'on a assez systématiquement, c'est évidemment celui de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle. Ce qui nous intéresse, quand je parlais de préparation de l'avenir, de pouvoir regarder des technologies qui pourraient s'insérer dans les stratégies menées par les entités du groupe, c'est évidemment les développements, les aspects de propriété intellectuelle établis, les brevets que les sociétés développent de leur côté. Et là-dessus, il faut dire qu'en fin de compte, il y a énormément de savoir-faire qui a été accumulé autour des modes de contractualisation. Il y a démystifié ces complexités qu'il peut y avoir entre grands groupes et start-up. Je vais me faire piller ma propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a des formes de contractualisation sous forme de licence, où tout ça est géré et traité aujourd'hui.
Alors, il y a deux questions qui viennent de tomber très rapidement pour terminer. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les startups, justement? Et le corollaire de cette question, c'est pourquoi une startup dans l'aéronautique a-t-elle plutôt intérêt à s'adresser à un incubateur plutôt qu'à un grand groupe? Alors, cette question, elle est pour vous. Pourquoi plutôt un incubateur qu'un grand groupe? Et puis, on répondra à cette question. On l'a un petit peu abordée, mais c'est l'occasion, là, en conclusion, d'expliquer à une start-upeuse, je crois, quelles sont, selon vous, les difficultés. Ouais. Pourquoi un incubateur et pas un grand groupe? Deux réponses. Un incubateur plutôt qu'un grand groupe, l'incubateur, on travaille avec 50 partenaires à travers le monde. Et donc, quand elle vient chez nous, elle a accès instantanément ou directement à ces 50 partenaires. Alors que quand elle s'adresse à un grand groupe ou quand elle postule pour l'incubateur d'un grand groupe, elle se contente et elle se restreint pendant 6 ou 12 mois à uniquement ce grand groupe. Et donc, en allant dans ces incubateurs, elle se ferme encore une fois des portes. Oui. C'est mon point de vue. Encore une fois, les meilleures startups, nous, c'est vraiment celles qui crèvent le plan. Musk, il n'a pas eu besoin d'incubateur. Hein, donc besoin d'un incubateur ou pas, c'est très subjectif. Ça dépend de son degré de connaissance de l'industrie, son degré de connaissance au sein des grands groupes et de l'écosystème. C'est pas forcément nécessaire. Est-ce que je vous ajoute sur le côté incubateur grand groupe? Oui, vous l'avez bien compris. Ici, je défends la position que la coopération est centrale. C'est son métier. Tous nos développements. et ce qui est amusant, c'est quand on rencontre des entrepreneurs qui nous expliquent: j'ai parlé avec vous, j'ai parlé avec Safran. Vous avez parlé avec qui chez Safran? Ou j'ai parlé avec Airbus? Ou j'ai parlé avec Thales? Grâce à Starburst, il m'a introduit avec Northrop Grumman. Mais vous avez parlé avec qui? Vous avez parlé avec Safran Tech, Safran Helicopter Engine, Safran Aircraft Engine, les achats. Donc on sait bien que pour un entrepreneur, se trouver face à ces grandes maisons, c'est extrêmement compliqué. Ils ont évidemment besoin soit d'interprètes, soit d'interfaces. Et la bonne nouvelle, c'est que tous nos groupes se dotent à différents niveaux, avec différents mandats, différentes missions, de structures qui sont à l'interface entre nos groupes et le monde extérieur. Et en particulier, le Corporate Venture est une bonne interface. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va remercier François et Grégoire. C'était très intéressant. On peut les applaudir. On a eu d'un côté l'industriel, mais qui parle start-up couramment quand même, l'industriel, et qui justement facilite un peu la complexité. C'est compliqué de travailler avec un grand groupe, et votre rôle, c'est un peu faciliter cette complexité et surtout travailler pour évidemment les différents métiers de Safran. Et on a entendu aussi cette idée, il y a un foisonnement aujourd'hui, il y a énormément d'idées, il y a énormément de technologies dans tous les secteurs, et vous êtes là surtout pour les accompagner, pour aller secouer les acteurs du secteur, les grands du secteur. On vous remercie tous les deux. Grégoire Aladjidi et François Chopard, merci messieurs et merci à vous d'avoir posé des questions. Anissé, si vous m'autorisez une Bien dernière sûr, question. Je vous en prie, je vous en prie. François, je suis à ta disposition pour notre prochain deal. Quand est-ce qu'on fait un deal ensemble? On a déjà commencé. Hein. Il commence à acheter mon invité, c'est quand même pas sérieux ça. Merci à tous les deux, merci.